Salut tout le monde! Alors, on va juste faire un petit épisode au moins bonus sur Titan Quest avec André, notre héros, qui est toujours niveau 19. Donc, pour montrer le début de l'Égypte. Alors, depuis la dernière fois, j'ai farmé ces fameuses méduses et j'ai obtenu ça. Ces menottes de créatures pétrifiantes, donc c'est ce que je cherchais. Donc c'est un objet vert, la seule chose qui est sûre sur cet objet vert, c'est ce que vous voyez écrit en jaune, plus 1 à toutes les compétences. Après, les autres bonus sont aléatoires. J'aurais pu en avoir qui donnaient de la force, de la vitesse d'attaque, des conneries comme ça, là je les ai eu version résistance aux éléments et énergie. Bon. C'est pas la version préférée, mais c'est pas grave, on va la prendre quand même. Ça m'a pris 35 à 40 minutes à farmer des méduses. Donc c'est pas non plus énorme. Alors notez que en difficulté normale, c'est plus 1 à toutes les compétences. Dans la deuxième difficulté du jeu, c'est plus 2 à toutes les compétences. Et dans la troisième difficulté du jeu, c'est plus 3 à toutes les compétences. Donc là, je les équipe. Elles sont pas super fondamentales. D'autant qu'il y a une méduse qui m'a filé... Alors il est où, Gaston ? Il y a une méduse qui m'a filé ça. Avant-bras labyrinthique, un objet de 7, hein, 10 de force, 50 de vie, 15 en capacité offensive, 10% de vitesse d'attaque. Donc ça, si je réfléchis en termes de DPS pur, ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Mais l'intérêt des menottes que j'ai chopées, c'est que tout de suite, j'ai au moins un deuxième point. Sur les passifs liés aux deux mains, ça augmente les chances de proc. Vous voyez, maintenant, par exemple, je suis à 16% de chance de proc, de double maniement, donc faire 10 dégâts de plus. Entraînement aux armes, un point de plus. C'est toujours un peu de vitesse d'attaque et un peu de capacité offensive de gagner. Sur assaut, maintenant, j'ai 4, donc ça me donne une augmentation des dégâts physiques et ardeur. Une augmentation de déplacement et de vitesse d'attaque sous ce buff, insensibilité, une augmentation de résistance sous ce buff, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Hein. Nous ne sommes pas en sécurité ici. La ville est assaillie, nous ne tiendrons pas. Je dois rester ici et monter la garde. Mais... Ah, si seulement j'avais mon épée. Et elle est où ton épée? Bonjour. Trouvez cette épée. Ok. Alors, homme chacal. Donc voilà Rakotis. Donc la ville de Rakotis est envahie par les hommes chacals. Vous voyez tout de suite, l'aura elle est beaucoup plus puissante, hein, beaucoup plus grosse sur assaut. Vous allez où les gars là? C'est quoi que j'ai eu une armure décorée d'acuité? C'est toujours moins bon que ce que j'ai. Oh, des scorpions! Vous allez me dire, Égypte, hein, donc oui, scorpions, tout ça. Vous allez me dire, c'est quand même très étrange. Sur Diablo 2, l'acte 2, c'était dans le désert. Là, sur l'acte 2, c'est en Égypte, vous voyez. Donc, il y a quand même cette similitude. Après, comme dit, ce sont les deux principales mythologies de l'Antiquité. Effectivement, mythologie grecque, mythologie égyptienne. Bon, pas que, hein, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a Ragnarök qui a été mis après, c'est... Mais, bon, ça s'explique, entre guillemets, et ça se tient, quoi. C'est pas comme s'ils avaient sorti ça de nulle part.
Alors, on quitte les bas-quartiers de Rakoti. Scorpion colossal, oui, il est colossal, effectivement. Alors, nous voilà à niveau 20. Qu'allons-nous glaner? Maîtrise des rêves, du coup, notre transe d'empathie, elle va être niveau 2. Donc, elle renvoie plus de dégâts. Ce que je reproche à cette transe d'empathie, c'est que il n'y a pas de boost sur les dégâts d'attaque convertis en vie. C'est vraiment qu'un boost sur les dégâts envoyés. Rêve lucide. Si je mets un point dedans, ça booste les dégâts physiques. C'est bien. Je vais mettre juste un point parce que je rappelle que comme j'ai ces menottes, un point investi, c'est deux points directs dedans. Donc ça nous booster nos dégâts physiques. Donc déjà rien que d'avoir fait ça, bah cela dit, je vois pas trop, ça n'a pas changé grand-chose. Si voilà. Ça booste le, je suppose a priori le sous l'effet d'une transe parce que je passais de 79 à 85 en DPS. Ça développe les capacités qui tirent à poids du monde des rêves. Je suppose que ça booste les trans. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On pourrait prendre Rage du combat. Rage du combat, c'est à chaque fois que vous êtes touché par un adversaire, vous avez une chance d'avoir un bonus. On peut mettre un point dedans, ça mange pas de pain. Donc le proc est toujours de 8%, hein, quoi qu'il arrive. Et on va mettre aussi un point dans le dernier passif lié au dual wield, anéantissement. Comme ça, on a au moins deux points de compétence dans tous ces passifs-là. Après, on peut continuer d'augmenter les autres. Hein. On pourrait prendre Tendon d'Achille. Vous savez, Tendon d'Achille, c'est juste une réduction, un debuff sur adversaire. Alors, ça peut être bien, mais c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Là, j'ai mis déjà au moins un point dans tous les passifs-là pour débloquer, pour avoir un maximum de proc. Alors, c'est des proc à 4, 5, 6% de chance, c'est pas énorme. Mais quand vous avez 7 ou 8 procs, chacun 3% de chance, bah au final vous avez à peu près 25% de chance d'avoir un proc hein, en moyenne. Du coup, bah ça commence à devenir intéressant quand même, hein. Et tout ça avec un investissement de points minimum, hein, puisque j'ai que 1 point dans les différentes compétences de proc. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mec, tu veux pas bouger? Copain, je festoiement. Alors, le stuff de festoiement, c'est du stuff qui absorbe la vie. Normalement. Donc, c'est exactement ce que je vais chercher. On a l'épée du mec qui voulait qu'on la lui récupère avec nous. Bâton du faucon, voyez-vous ça? Un beau bâton bleu. M'intéresse pas, hein, c'est un bâton, mais c'est bleu, quoi. Alors, ce Kopesh de festoiement par rapport à découpe âme, j'ai le même DPS. La différence, c'est 14% d'absorption de vie. L'autre, il a plus 36% d'absorption de vie. Celui-là, plus 14% d'absorption de vie, vous voyez. 8% de dégâts d'attaque convertis en vie. L'autre, 10% d'attaque convertis en vie. 23-28 très rapide. 22-28 rapide. Ouais, le découpa, mais c'est la même, mais en mieux. Donc, je vais garder mon arme.
Est-ce que j'ai été partout? Pas par là. Nous sommes dans les bas quartiers, toujours. Oh, un slime. Pourriture des tombes. Oh, punaise! La bête ne craint pas vraiment les dégâts physiques, hein. Elle fait pas très mal, mais alors il faut lui taper dessus 150 ans pour la tuer, hein. Je suis pas pressé d'avoir un héros pourriture des tombes. Ça dit une limace héroïque, c'est pas. Décadence répugnante. Niveau 24, hein, la décadence répugnante. Hein. Au niveau XP, ça se voit pas des masses, mais. En fait, comme ce sont des créatures magiques, je pense qu'elles sont insensibles à l'absorption de vie. Et comme l'absorption de vie, c'est quand même une bonne partie de mon DPS. Oh là là, une grosse salle pleine de. Ces limaces magiques là, c'est. Ça donne pas envie. Là, on prend cher quand même, hein. Alors, jambière protectrice à plaque, ça donne quoi? 52 d'armure. C'est mieux, c'est plus d'armure que ce qu'ont mes jambières. Hein. Bon, après, 11 force, 60 vie, 18% déplacement, j'aurais du mal à remplacer ça. Hein. Par contre. Ok, c'était juste pour ça, quoi. D'accord. Pourquoi pas, hein? C'était la grotte d'observation. Ok, pourquoi pas, hein. J'ai laissé 500 boules là-haut. Mais bon, peu importe. Alors, nous voilà de retour à Rakotis. Franchement, les décors sont superbes sur ce jeu.
Je dois vraiment avouer que je trouve ça superbe ce qu'ils ont fait avec ce jeu. Alors bon, c'est pas un jeu du 20e siècle, mais bon, c'est un jeu qui aujourd'hui a quand même quelques années, hein. Je remercie les dieux de ta présence ici. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour garder les bêtes à distance de la bibliothèque. Mais ces choses sont à présent partout, même dans nos archives en dessous. Les monstres brûlent et détruisent tout, sans le moindre respect pour le savoir couché sur nos parchemins sacrés. Je t'en prie, arrête-les! On va faire ça. On va les arrêter. Bon, je commence à souffrir un peu. Rien d'anormal, me direz-vous, hein. Teslos. Qu'est-ce donc que cette chose? Teslos, c'est une arme. Destock, 10% de chance de faire de gros dégâts d'électricité. 32% de résistance à l'électricité. Régénération d'énergie. Ouais, bon, c'est pas terrible ça, par contre. Il n'y a pas de drain de vie et c'est un proc en fait. Les dégâts d'électricité peuvent faire très mal, mais ça reste un proc. Moi, je préfère un truc qui fait du drain de vie plutôt qu'un truc qui a un gros proc. Alors, voilà une arme de G. De festoiement, c'est-à-dire de drain de vie. Bon, on va rendre l'épée aux gardes. On va vendre. Et voilà. Voyageur, viens donc voir ce que j'ai pour toi. Je veux quand même le garder ce truc, parce qu'il n'y a pas de raison de pas le garder Vous pour n'auriez pas l'instant. vu ce bon à rien de serviteur? Oui, et revenez me voir. Mon épée, vous l'avez trouvée. Je vous remercie, guerrier. Non, 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 il est de mon devoir de vous dédommager. Ne refusez pas. Prenez ça. Ah, mais je comptais pas à refuser, hein. Essence d'accord d'Anubis. Alors, toutes les essences qu'on a eues là, pour le premier chapitre, normalement, on va plus les choper maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les stocker, faire de la place. Mais les outravins de Attention, vous mettez Dionysos, vos affaires. etc., essence de la sandale d'Hermès, normalement, on devrait plus choper ça. Donc toutes ces essences qui sont pas complètes, bah, il va falloir refarmer l'acte 1 pour aller les refaire en fait. Alors peut-être pas toutes, mais par exemple peau de sanglier, là je doute qu'on trouve ça, carapace de tortue, alors peut-être pas, hein. Griffe de loup. De toute façon c'est simple, j'ai tout laissé là et on verra. Si on a des choses en commun avec ça. C'est Peut-être. fini, il n'y a Peut-être plus de pas. place. C'est fini, il n'y a plus de place. Le mec, il dit ça d'un air tellement blasé. Alors, le Oonga Moonga. C'est un peu ridicule comme nom, d'ailleurs. Oonga Moonga. C'est une arme de G, ça. Il y a une sale tronche, ton truc. Plus de DPS que ça.
Moi aussi c'est grand. Mais à part des hommes chacals, il n'y a pas grand chose pour l'instant. J'ai encore ramassé une merde, moi. Comment est-ce que je viens vous voir, les gars, par là? Charme protecteur de vie. Ouais, mon collier est mieux. Je me paume moi là-dedans. Oh génial, le fantôme. Ok, donc les fantômes, faut aller chercher les bleus, hein, d'abord, les mages. J'avais oublié l'existence des fantômes. Et j'aurais pu vivre sans les rencontrer. Je bouge parce qu'il y a les loups par terre qui m'empêchent de taper les mobs. Caisse royale au plein milieu d'une salle vide. Ouais, elle est vraiment vide. C'est étrange. Coffre de la bibliothèque. Oh, des verres. Ça donne faim. Dis donc, on en mangerait. Il ressemble beaucoup au verre là, dans Baldur's Gate. Je ne sais plus comment il s'appelle. Les Carrion Crawlers, je crois qu'il s'appelle en anglais. En VF, je ne sais même plus comment il s'appelle. Vert charognard, je me demande ce que ça s'appelle, pas d'ailleurs. Oh, ça pue la salle de boss. Oui, il y a un coffre de boss. Le roi du désert, hein, il vient me défoncer, le roi du désert, dis donc. Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Me cracher à la gueule, mec. Je sais pas si on t'a déjà expliqué, mais c'est extrêmement mal poli de cracher à la gueule des gens. Scarabeus, roi du désert.
Rouch. Oh, un bouclier bleu. Putain, en bleu, j'ai vraiment un bouclier et des bâtons. J'ai pas des masses. Bon, je dirais, j'ai quand même eu quelques pièces d'armure en bleu. Ce déflecteur nubien. 13 dex, 90 vie. Ouais, il est pas dégueu. En plus, résistance aux dégâts des hommes bêtes. Comme vous avez de l'homme chacal de partout. Voilà le fameux parchemin que Joe Laburge voulait. Allons voir si on peut le lui... Ah non, mais il est plus là, il est à Saïs, l'autre. Il va falloir aller à Saïs pour le lui rendre, c'est vrai. Certes, certes. Ce bouclard, on va le garder. Vous n'auriez pas vu ce droit à rien de serviteur ? Au cas où on ferait un personnage orienté défense. Et cette hachette, qui était vraiment excellente au début du jeu, bah on va la... On va quand même la garder. Oui, oui. Revenez me voir. Je t'en prie, voyageur. Viens voir ce que je... Parce que ce personnage ne botte pas vraiment plus que ça. Encore une fois, je suis pas convaincu par cette classe. Oh, héros. Je suis mitigé hein, quant à lui. Donc, on va voir. Mais m'est avis que j'aurai d'autres spécialisations à tester. Dégagez les piafs, je veux pas de vous ici. Vous voyez, peau de harpie, c'est nouveau. Donc je pense qu'on va plus avoir du tout les mêmes morceaux de charme et de reliques que sur le premier acte. Donc tous ceux qui ne sont effectivement pas terminés, bah, il faudrait retourner au premier acte et farmer des mobs jusqu'à les finir. Ce qui n'est pas exactement pratique. Sachant que à chaque difficulté, vous avez des charmes et des reliques différentes. Donc là, les reliques et les charmes que vous allez avoir en difficulté normale ne seront pas compatibles avec ceux que vous aurez dans la difficulté épique. Vous aurez les mêmes, mais en mieux. Donc c'est pour ça qu'en difficulté normale, aller farmer toutes les reliques, tous les charmes et tout, c'est pas forcément très intéressant. Sauf si vous voulez faire des trucs là où il y a des formules, mais qui jusque-là sont plutôt pourraves. Honnêtement, j'aime beaucoup le bestiaire. Ils ont fait... ils ont vraiment fait quelque chose que j'aime beaucoup sur ce jeu, vraiment. La seule raison pour laquelle je trouve que Diablo 2 est un poil au-dessus... C'est que sur Diablo 2, les cartes sont générées procéduralement. Donc t'as forcément toujours les mêmes quêtes, hein, t'as toujours la même histoire. Mais si tu prends deux persos différents, bah, les cartes vont être radicalement différentes. Pardon. Alors que là, si je fais un deuxième perso, bah, les cartes seront les mêmes. Alors certes, les monstres qui composeront la population de ces cartes seront différents. Parce qu'un coup t'auras des gorgones, un coup t'auras des minotaures, un coup t'auras des golems, tu peux même avoir des araignées, par exemple, si on regarde ne serait-ce que le labyrinthe de Minos. Donc il y a effectivement des possibilités d'avoir des monstres différents, mais les cartes sont les mêmes.
Les endroits à visiter vont être les mêmes. Et du coup, en termes de rejouabilité, c'est pas top. Et sur un hack and slash, la rejouabilité, c'est quand même l'un des points numéro 1, quoi. Donc c'est le seul point sur lequel ce jeu pêche. Je suis bloqué. Je peux plus bouger, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je n'arrive pas à bouger. Allons bon. Oh, celle-là, elle a beaucoup d'absorption de vie. Pas autant que mon découpame. Forcément, Merci. découpame, c'est une arme, j'aurais beaucoup de mal à la remplacer. Est-ce que je vais être débloqué? Non, ouais, je suis bloqué. Je ne peux pas. Donc je suis obligé de retourner au menu principal, ça me fait vraiment chier, mais je suis bloqué. Les joies des jeux qui sont buggés. Bon bah donc on va devoir refaire cette zone. Bon, c'est pas bien grave, mais bon. C'est ennuyeux de se dire que c'est possible d'être bloqué dans le décor quand même sur un jeu qui est une, entre guillemets, une version remasterisée d'un classique, quoi. Ouais, la carte. La carte, c'est la même, hein. Donc voilà, c'est vraiment juste ça. Si je dois faire un reproche à ce jeu, c'est vraiment ça. Ça ne favorise pas le reroll. Et sur un jeu qui, justement, peut se targuer d'avoir autant de classes de personnages que celui-là. Reroll, c'est un petit peu important. Vous voyez le bouclier que j'ai trouvé tout à l'heure, c'était. C'est un bouclier qui réduit de 25% les dégâts que ce genre de mob vous inflige. Et c'est pas ridicule non plus, hein. Après, il n'y a pas de quoi se relever la nuit non plus, hein. Pas. Mais bon. Les hommes crocodiles, c'est aussi une bonne idée. Encore une fois, Égypte, crocodile, tout ça, c'est. Je veux dire, c'est bien pensé, oui, somme toute, c'est assez logique, hein. Je veux dire, c'est pas. Les mecs n'ont pas été inventés des monstres incroyables. Et c'est pas ce qu'on leur demandait. Moi, ce que j'attendais de ce jeu à la base, c'était effectivement quelque chose qui, sans être réaliste, parce qu'on ne peut pas demander à un jeu de ce type d'être réaliste non plus, mais d'essayer quand même de prendre des choses vraiment de la mythologie, vraiment un peu historique, etc. Et l'inspiration y est, hein, clairement.
not enough energy. Allez, on va invoquer nos potes. Je me suis fait stun. Saloperie de mob qui stun. Je suis en train de mourir là en fait. En fait, là je prends très cher hein, sur cet endroit là. Bien dit donc. Alors, armure de reptile protecteur. Elles sont pas mal les armures de reptile. Hein. Le problème des menottes de créatures pétrifiantes, là, c'est qu'il y a très peu d'armure. C'est pas top en termes d'armure. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé? On n'était pas censé avoir chopé une armure... des cuissardes à plat qu'on a chopé. Ok. Ouais. Pas encore top. C'est manchon à plaque, ouais. Et on a un home phrygien. Ok, bon. Ok, donc c'était une petite zone bonus avec un boss bonus. Ok, bon, rien de fantastique, mais tout de même, on l'accepte, bien sûr. Comment est-ce que Scorpion peut porter des cuissardes décorées? Enfin, qu'elles soient décorées ou pas, comment est-ce qu'il peut porter des cuissardes? Où est-ce qu'il les a mis? Dans ses poches? C'est un nouveau concept, le Scorpion à poche. Concept tout à fait intéressant, s'il en est. Cairn de guérison, ouais, ça m'intéresse pas tout de suite. Bonjour monsieur. Il y a quelque chose dehors, quelque chose qui rôde la nuit. On dit que des chameaux disparaissent et que les caravanes se font attaquer. Personne ne sait de quoi il s'agit, mais le bruit court que la chose vit dans une grotte près du canyon de Wadjet. Ah, il y a un gros monstre à trouver quelque part. Tu m'en diras tant. Du canyon de Wadjet. Bah, il se trouve qu'on est au canyon de Wadjet. La vie est bien faite, hein. Mais vraiment, c'est très très joli, hein. Commando des dunes. Des démons.
Bien, bien. Eux, ils font très mal les condos d'une assassin dans mes souvenirs. Ils portent bien leur nom. Avant-bras d'Atlas, 20 force, 20 dex, 95 vie, accorde la compétence pétrification. Non, mais sans déconner! Vous voulez vraiment pas que je garde ces trucs, hein? En termes de DPS, c'est pas mieux que ce que j'ai, malgré les 20 force et les 20 dex. Pourquoi? Parce que tu perds 1 sur tout, quoi. Tu perds 1 sur toutes les compétences et donc tous les passifs qui augmentent tes chances de toucher, qui augmentent ta vitesse d'attaque. Parce que 20 force, 20 dex en termes de DPS, c'est pas impressionnant, hein, c'est pas... Assassin vétéran, parce que comme si les assassins suffisaient pas, on t'en fout les vétérans. Bon, pour l'instant on défonce, hein. C'est bien, c'est bien. Alors ça fait 44 minutes que je suis en Égypte. Charme du maître des esprits. Ouais, donc ça booste les summons. C'est aussi un truc, à mon sens, qui va manquer à haut niveau. C'est le Lich King que j'ai sur mon... sur mon briseur de rêve là. C'est ça la bête légendaire? C'est l'homme scorpion colossal qui est là-bas? Ah ouais, c'est... Il a l'air sympa lui. Pas très fréquentable cela dit. Voilà. Ce qu'on en fait, nous, des bêtes légendaires. On les bouffe! Bon, on peut aller rendre la quête à Joe Laburge.
Vous avez trouvé l'homme scorpion et vous l'avez tué. Ah, ça avait déjà validé. Quel récit héroïque. Ouais, ça avait déjà. 2 points de compétence. Oh, vraiment? En maîtrise des rêves, je sais pas ce que je vais aller chercher. Invocation de cauchemar, probablement. Je pense qu'on va commencer à investir là-dedans pour aller chercher l'invoque. Reviens l'assassin là. Zone inondable du Nil. Maillet brûlant de festoiement. C'est bien ce que je pensais, je peux pas le ramasser. Allez, on va aller vendre. Vite, les monstres vont arriver. Que veux-tu? Vite, avant que je ne plie bagage. Un peu pétochard, non? Ça, on va les garder parce que c'est joli. Ça, on va le mettre là. À bientôt. Plumage infecté, je vous demande si j'en avais quand même pas. Il me semble qu'en Grèce, t'en avais des plumages infectés. J'ai un peu de place, mais pas beaucoup. Ah, le problème, c'est que j'en ai 4. Quel con. Ah si, le... Ah, il est assez intelligent pour réussir à séparer les deux. Ça, c'est cool. Vous n'auriez pas vu ce bon à rien de serviteur? Voilà. À bientôt. Donc Nil inférieur, là-bas au Nil inférieur, il y aura un waypoint.
Hop là, un petit level up déjà. Voyons, ça a été assez vite, c'est cool. Alors, on a dit qu'on allait investir dans cette maîtrise. Prochain niveau, on pourra prendre l'invocation de cauchemar. Bien, bien. Décoré de finesse, c'est moins bien que ce qu'on a. Bon, bah écoutez, on verra bien. Hein. Niveau stuff, je pense que je suis pas prêt de remplacer les choses que j'ai. Hein. Wow! Alors, une caverne pour changer. Asticot, hein, punaise, si ça c'est un asticot, mais j'aimerais pas voir ce que ça va donner quand ça va être adulte. Oh, il y a un héros. Cadavre embaumé. Ah, en plus, t'as fait spawner des... Mec, bouge, t'es en train de mourir. Ah, dis donc, ça tabasse tout ça. Hein. Je sais pas où on est tombé ici, mais c'est du sauvage. Hein. Alors, linceul de la nuit, le nom donne envie, c'est une armure, ok, elle a l'air d'être moins bonne que la mienne. Elle a plus d'armure, mais les bonus ont l'air moins bons. Réduction de la durée d'absorption de vie, d'absorption d'énergie, plus 1 à toutes les compétences de maîtrise de la ruse. Ouais, bah oui, mais non. Ça aurait été plus 1 à toutes les compétences tout court, j'aurais dit oui, mais maîtrise de la ruse, non. Je dis non. Malheureusement, je le gardais quand même en stash hein, pour un éventuel reroll ruse. Bon, je compte pas un jour jouer maîtrise de la ruse, ça m'intéresse pas. En fait, t'es spé dégâts des stocks. Pourquoi pas, hein? Je doute que ça me passionne. Ça fait bientôt une heure que je suis là. Putain, j'avais raté un cairn d'expérience. Donc j'ai raté pas mal d'XP dans cette grotte.
Ça dit, je joue pas pour l'XP là, parce que je compte pas forcément aller au bout du jeu, comme dit. Donc. Là, je voulais faire un petit épisode bonus, histoire de montrer un petit peu les décors de l'Égypte, les monstres de l'Égypte. Donc on est sur quelque chose qui est en partie différent et en partie pareil, parce que là, les vautours, c'est un peu la même chose que les harpies qui avaient somme toute en Grèce, hein. C'est pas différent. Après, les décors sont vraiment très intéressants, je trouve. Ils sont bien faits, ils sont vraiment jolis. Et surtout, contrairement à un certain nombre de hack and slash sortis depuis quelques années, on n'est pas du tout dans une direction artistique cartoon. On est vraiment dans une direction artistique réaliste et moi, ça me plaît beaucoup. J'ai toujours préféré les directions artistiques réalistes plutôt que cartoon. Même au niveau des MMORPG, par exemple, hein, je veux dire, graphiquement, je préfère un Lineage 2 à World of Warcraft, par exemple. Parce que le côté réaliste sur un MMORPG, il y a quand même dans MMORPG, il y a aussi RPG. Et le côté RP est beaucoup plus facilité, je trouve, quand la DA est type réaliste que cartoon. On se prend mieux au jeu, on est plus... On est plus pris par l'immersion. Ah bah c'est en axe hein, ici. Dis donc, c'est en axe, ça popote. On est en train d'avoir notre stock de potions qui fond comme neige au soleil. Ça dit, notre stock d'XP, lui, il grimpe et ça, c'est bon à prendre. Même si je vise pas l'XP max, bon. Là, j'ai quand même une petite portion de mon prochain niveau. J'aimerais aller jusqu'au prochain waypoint. Et il est pas très loin parce qu'il y a un PNJ là-bas, vous voyez, à qui on peut parler. Village de Saïs. Ah bah d'accord, bah c'est ce que je cherche. Kopech traître. Perturbation des compétences, ouais, c'est pas ce que je cherche tout ça. Ouais, là il y a des gens. Bon, il y a plein de mobs autour aussi, hein. Ça dit, il n'y a pas que des gens. Hein. Sens de la gloire d'Amon-Ra. Donc le village est à gauche, là il y a juste quelques bugus à buter. Et en plus le jeu, je trouve qu'il est vraiment bien équilibré. Vous voyez, ça fait une heure que je suis en Égypte et pile j'arrive sur un village.
Alors j'aurais pas été contre avoir un waypoint, mais visiblement. Alors j'ai même pas regardé. Je suis en train de tuer des monstres de quête, mais je sais même pas à quoi ils servent. J'ai pas pris la quête. Your inventory is full. Need more. Ouais. Bon. On va les vendre, on va aller prendre la quête. Je suppose qu'il y a le mec, il y a, parmi les mecs qui ont des quêtes ici, il faut les tuer ça. Vraiment mal. Les monstres nous gâchent la vie. Nous n'avons pas de mur, pas de garde. Et voilà que maintenant, des crocodiles qui marchent comme des hommes, les reptiliens comme nous les appelons. Vous êtes au courant? Un groupe de monstres féroces a attaqué nos fermes. Je n'ose même plus m'aventurer sur les rives. Ah ça, les rives du fleuve la nuit. Ouais, bon, village de size, c'est gentil, mais... Ça manque d'un waypoint, quand même, tout ça. Qu'est-ce qui vous amène dans un tel endroit sur les rives du Nil? Voulez-vous acheter quelque chose? Je veux vendre, surtout. Ça fait plus de dégâts que... Que mon découpame, hein. Ce maillet brûlant... Plus de dégâts aussi. Par contre, il est lent. J'ai pas envie d'avoir une arme lente. Très bien. Voilà, j'ai le portail. C'est ça que je cherchais. Bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner looter et après je valide la quête parce que forcément ça va me valider une quête. Normalement, d'avoir tué tous ces mobs là. En massif, c'est pas mon ami lui. Voilà. Ça fait un bon point d'arrêt et comme dit, ça fait une petite démonstration de ce à quoi ressemble l'acte 2. Donc c'est parfait. Alors, je recevrai un charme partiel. Par Osiris, j'avais perdu tout espoir. Vous connaissez la rumeur? Quelqu'un aurait vaincu tous les reptiliens. Vous y croyez? Vous connaissez la rumeur? Bah, il se trouve que c'est moi, connard, mais c'est pas grave. C'est vous qui nous avez sauvés des reptiliens. Vous êtes un grand héros à nos yeux. Nous ne sommes pas riches, mais acceptez ce présent. Icor infect. Où est-il cet icor infect? Il est là. Alors, achète de tonnerre. Bien, 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 bien. On va vendre ça et on va s'arrêter là. Et... Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'espère que ça vous aura, ces épisodes au moins, donné un petit peu envie de jouer à ce jeu si vous ne l'avez jamais fait. Parce que c'est un excellent hack and slash. Après, comme dit, le problème, c'est ça, c'est que les cartes sont toujours les mêmes, mais après, le challenge est différent. Et c'est toujours plaisant. Honnêtement, c'est un jeu qui est agréable à jouer, c'est un jeu que je trouve joli. Donc, aucune raison de se plaindre, et que des choses à apprécier. C'est un jeu dynamique, je vous dis, c'est un jeu qui est calibré pour des sessions de jeu d'une heure. Parce que depuis que j'ai commencé ces vidéos, je fais des vidéos qui faisaient à peu près une heure de durée. Et vous l'avez vu, systématiquement, quasi constamment, je dis bien quasi constamment, avec ces laps de temps d'une heure, on arrive à passer d'un village avec un waypoint à un autre village avec un waypoint. Encore une fois, c'est pas toujours le cas, mais
Globalement, on fait des sessions d'une heure, maximum une heure et demie de jeu, et ça vous permet d'aller d'un waypoint à l'autre. Et ça vous permet, comme ça, même si vous ne pouvez pas faire des sessions très très longues en termes de jeu, d'avancer. Et honnêtement, je trouve que cette organisation-là est plutôt bien foutue. De manière générale, c'était vraiment, c'est un hack and slash extrêmement bien foutu. Donc là, je n'ai pas montré le contenu des extensions pour une raison toute simple, c'est que de toute façon, si vous n'avez jamais joué à ce jeu, avant d'aller sur les DLC, alors vous pouvez commencer sur les DLC avec des personnages dont le niveau est adapté, je ne le recommande pas, je recommande plutôt de prendre votre personnage, de le prendre en main dès le départ, dès le début. Comme ça, vous familiarisez avec les compétences, vous familiarisez avec ce que votre personnage peut faire, avec les différents effets du stuff, apprendre comment marche un peu tout le jeu, petit à petit. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.